Donc, Si j'étais pire, c'est un EP de 10 titres avec des collaborations très intéressantes, que ce soit au niveau de la Caraïbe ou de la France hexagonale. Et Si j'étais pire, c'est une manière de montrer un peu les travers de la femme. Ce pourquoi la société la juge excessivement. Et quand je dis excessivement, je compare bien évidemment aux hommes qui, eux, sont peut-être jugés moins violemment dans certaines situations. Dans le projet Si j'étais pire, on peut trouver différents styles. On m'a souvent reprocher, entre guillemets, de ne pas avoir un style en particulier, alors que bon, finalement, quand on est artiste, j'estime qu'on a ce droit, voire ce devoir, en fait, d'allier plusieurs choses, de faire des mélanges, d'aller sur différents terrains, de ne pas rester dans une zone de confort. Et en tant qu'artiste caribéenne, j'ai tellement d'influence que je ne peux que vibrer par ça, par ces différents styles-là. Avant d'être pire, la vérité, c'est que quand vous allez écouter le projet, vous allez toutes vous retrouver là-dedans. On est toutes pires. Le tout, c'est de pas forcément le dire tout de suite. J'ai démarré il y a maintenant 10 ans. J'étais peut-être un peu plus, enfin au début en tout cas, un peu plus dans la retenue. J'ai toujours fait cet exercice lyrical de pousser un peu les sujets, d'aller vraiment dans des choses un peu taboues, mais de l'amener avec beaucoup de délicatesse. Et au début, avant d'être pire, j'étais peut-être un peu plus timide. Et aujourd'hui, je m'affirme un peu plus en tant que femme et j'ose plus franchement évoluer sur certains thèmes qui concernent encore une fois la femme. Je chante en français, en créole. Bon, je peux mettre deux, trois punchlines en anglais vite fait, mais je ne maîtrise pas encore. Mais même s'il est important de chanter en français pour élargir le public, pour que ma musique soit plus accessible, eh bien, j'estime qu'il est tout autant important de conserver le créole. Ce sont mes origines, parce que le créole doit également dépasser les frontières, parce que la musique, d'abord, parle d'elle-même et qu'on a accès à beaucoup de musique dont on ne comprend pas forcément les paroles. Je parle de l'anglais, par exemple. Eh bien, pourquoi ne pas faire les mêmes prouesses avec le créole ? Avec cette EP, l'idée, c'est vraiment d'atteindre plus de monde, d'ouvrir les yeux. Il y a des sujets très délicats qui sont abordés dans cette EP, l'infidélité de la femme, l'inceste. Je dis ça comme ça, mais même quand ça sort de ma bouche, ça me choque moi-même, mais c'est vrai. Ce sont des sujets qui ont été abordés dans cette EP. On a cette influence, les jeunes générations nous écoutent, et si on peut se servir de ça pour faire passer des messages et pour peut-être servir de déclic, eh bien, c'est avec plaisir que je le fais et j'espère que ça va aller très très loin parce que les messages sont très forts. J'espère que dans moins de 10 ans, on nous entendra, nous, artistes caribéens, artistes antillais, sur les ondes nationales, tout simplement. Que ce soit normal, en fait, de passer sur Skyrock, de passer sur Énergie, de passer sur MCM. Les combinaisons, les collaborations entre artistes nationaux et artistes locaux soient beaucoup plus fluides. Bienvenue sur ma page, bienvenue dans mon univers. J'essaye de véhiculer un maximum de messages positifs, mais pas que. L'idée, c'est aussi de se mettre à la place des autres et d'essayer de faire aussi passer ces messages-là qui gênent. On fait face à diverses situations. Il faut un porte-parole, en fait, pour tout type de situation. Je ne prétends pas l'être, mais j'essaye de sortir un peu du lot, d'avoir mon univers à moi, et je vous invite à le découvrir. N'hésitez pas à partager, à commenter, et surtout à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous. Peace. Qui est cet étranger? Je le regarde one time, ça veut dire danger. Je suis un peu high, j'ai la cité dérangée. Je suis une princesse, mais sans cesse ton regard ne me laisse. Oh baby, je me donne, allez danser. J'en fais des tonnes, mon ticket part. Toutes mes sables sont mis en caddie, comme un bon. Derrière y'a mon mec, oui c'est vrai, mais je me sens animal. T'es dans moi, n'y vais pas. Aussi là, dis-moi go, non, moi paie pas. En Jani, on y va. Oh, 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 oh. Oh yeah, baby, bouche en moins d'hour. Pussy n'ayez en l'eau, non, never nada. En cabine, it's kizo. Oh, 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 oh. Baby, come to me. Sentez-moi nous piquer à ton départ. Come to me. Sauvez-moi ou piquer, besoin mandat. Baby, come to me. Sentez-moi nous piquer à ton départ. Come to me, baby, come to me.
se connaître, dis-moi tu l'aimes comment. C'est cliché mais tu sais je n'ai jamais fait ça avant. Dans la vie je suis difficile, peu docile, avec toi c'est différent. En pas qu'à m'en dire où love, c'est où font mal. C'est de quoi qu'on fait une taf, je te dis oui à tout. Quand tu en as l'étoffe, ça devient brutal, animal. Mais ça n'a rien d'official, t'es dans moi l'y vais pas. Pour si là dis-moi go, non non moi paie pas. En j'ai on y va, oh 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 oh. Oh, oh, oh yeah, baby, push on one day, ah, pussy, nigga, on low, no, never, nada, I'm gonna be this kid, so, oh, oh, oh.